discussion tendue relative aux propositions de loi sur la réforme judiciaire et à la désignation des membres du bureau de la CENI. Nous, cardinal, archevêque et évêque, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SEMCO, en confinement à cause de Covid-19, sont préoccupés par le climat sociopolitique qui prévaut actuellement à Kinshasa et dans d'autres villes de notre pays. Nous avons constaté que les propositions de loi sur la réforme judiciaire et l'absence de consensus des membres de la plateforme de confession religieuse sur la désignation d'un candidat commun à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ont suscité des vifs mécontentements au sein des différentes couches de la population congolaise. C'est pourquoi, percevant les risques du débordement de la violence et fidèles à notre mission prophétique, nous avons décidé d'interpeller nos compatriotes impliqués dans ces dossiers afin de garantir la paix civile. Tout en partageant le souci du peuple d'avoir les lois justes et des personnes idoines qui puissent contribuer au développement intégral de notre pays, nous condamnons toute forme de violence et recommandons à tous le recours aux moyens légaux et pacifiques pour exprimer leurs opinions. Nous sommes persuadés qu'un état de droit repose sur des principes démocratiques qui s'inspirent non seulement de la règle de la majorité, mais aussi de la reconnaissance de valeurs morales fondamentales, respectueuses de la dignité humaine, de la vie et des droits intangibles et inaliénables de chaque homme. La loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. En plus, il est inadmissible que les lois soient taillées sur mesure selon les ambitions des leaders politiques, partis ou plateformes politiques, ou que certains de nos compatriotes montent des stratégies pour vider les institutions d'appui à la démocratie de leur indépendance fondée sur la Constitution, afin de les inféoder à leur dictat. Ces agissements ne contribuent qu'à détruire la cohésion nationale et à déstabiliser les institutions étatiques. Il est clair que si on y prend garde, les propositions de loi sous examen à l'Assemblée nationale porteront atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'une des options fondamentales que notre Constitution du 16 février 2006 a érigée en disposition intangible dans son article 220. Il en est de même de la désignation des candidats membres du Bureau national de la CENI. Nous dénonçons la tentative des politiques de vouloir faire main basse sur cette institution d'appui à la démocratie. Les Congolais gardent encore frais à l'esprit la gestion chaotique des élections de 2018. Beaucoup ont même perdu la confiance en notre système électoral. C'est donc une nécessité de rassurer les futurs électeurs de 2023 que les choses ne seront plus comme avant. Pour y parvenir, nous pensons qu'il faudrait préalablement réformer par consensus le système électoral de la RDC, particulièrement la loi électorale et celle portant organisation et fonctionnement de la CENI, d'une part, et éviter d'aligner dans les bureaux de la CENI les personnes qui, bien qu'expertes en matière électorale, ont déjà trempé dans les manipulations électorales d'autre part. Nous exhortons les bureaux de l'Assemblée nationale à user de la voie de sagesse et à surseoir l'examen des projets de loi contestés. En ce qui concerne les candidats animateurs de la CENI, nous demandons qu'il ait au préalable la réforme de cette institution vitale pour un avenir heureux de notre pays. Chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force risquerait de plonger le pays dans le chaos. À l'aube du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, ici est d'écouter le prophète Osée qui nous dit « Il sème le vent, il récolte la tempête » Osée 8, 7. Les voix qui s'élèvent pour protester contre les manipulations politiciennes dans le processus de désignation des membres du bureau de la CENI et contre les propositions de loi sur la réforme judiciaire indiquent que le peuple congolais a faim de la justice et de la paix. Le bien-être du peuple congolais doit être le souci primordial de tout parti ou plateforme politique. Pendant que le pays est en état d'urgence sanitaire, les dirigeants feraient mieux de chercher comment protéger la population contre les conséquences de Covid-19 plutôt que de se concentrer pour monter des stratégies de positionnement politique. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix et Notre-Dame de la sagesse, le Seigneur Dieu de l'univers illumine nos cœurs et bénisse notre pays. À la signature, tous les évêques, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, je vous remercie. Je réponds au nom de Roméo Tunga, journaliste à la MNT Télévision. Ma question, ça va tout droit par rapport au passage biblique que M. l'abbé a utilisé, Osée 8, verset 7. « Qui sème le vent récoltera la tempête ». Par rapport à ce passage, qu'est-ce que l'Église voulait juste nous enseigner? Rachel Kitita pour le compte d'Actu 30. Monsieur l'abbé, vous demandez à l'Assemblée nationale de surseoir à l'examen de la proposition de loi Minaku et Sakata sur la réforme de la magistrature suprême, l'appareil judiciaire. Mais le dernier conseil de ministres a tenu hier, vendredi, sous la présidence du président de la République, a laissé... Après avoir entendu que le ministre de la Justice avait fait des observations du gouvernement à l'Assemblée nationale, a jugé bon de ne pas débattre de cette question et de laisser l'Assemblée nationale poursuivre l'examen de cette question. Vous vous demandez de surseoir alors que le gouvernement a justement jugé que cette question poursuive son cours normal à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est réaliste votre proposition? Et si peut-être vous n'avez pas le compte-rendu du Conseil des ministres, quelle est l'autre proposition que vous pouvez formuler à cet instant pour finalement demander à l'Assemblée nationale d'alléger un tout petit peu de ce côté-là? La première question, c'est relatif au titre. Et je précise que ce n'est pas le passage biblique de l'abbé Chollet. Ce sont les évêques qui parlent. Moi, je ne suis que porte-parole, que ce soit clair. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui sème le vent récolte la tempête, et la citation est là. C'est simplement, ce sont d'abord des prophètes. Pour bien comprendre ça, il faut avoir à l'esprit qui parle. Ce sont des évêques qui sont dans leur rôle prophétique. Le prophète, c'est celui qui avertit. Le prophète, c'est celui qui prévient. Alors, c'est une façon de dire que si l'on va dans le sens de défier la volonté d'une grande majorité populaire, bien que pas légale comme parlementaire, on risque de sombrer dans le chaos. Je crois que le texte explicite ça plus clairement. Voilà la réponse à votre question de la façon officielle par les évêques. Et de chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force risquerait de plonger le pays dans le chaos. Donc, c'est des questions, les évêques qui sont chacun chez lui Il s'agit des évêques qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la RDC. Pour prendre la parole, ils ont certainement été à l'écoute de leurs brebis là où ils sont et ils vous disent attention, il y a un grand mécontentement, n'allez pas de l'avant, si vous voulez forcer, on risque de connaître un crash. Je crois qu'ils sont dans leur rôle prophétique. La deuxième, la demande de ce soir me paraît très réaliste au regard des conséquences qu'on pourrait vivre en cas de forcing. Le fait que le gouvernement a demandé à l'Assemblée de continuer à traiter la question n'exclut pas l'hypothèse que l'Assemblée elle-même soit renseignée, suive la voie de la sagesse, comme on dit les évêques, et qu'ils puissent revenir en arrière. Donc ça ne contredit pas ce que le gouvernement a dit. Donc je trouve la proposition des évêques très réaliste et plus que réaliste, très sage. Il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Okay. Monsieur Moulegua, pour RFI, être réaliste, c'est aussi dire que l'Assemblée a le droit d'examiner les textes parce que c'est son rôle. Qu'est-ce que vous soupçonnez derrière ces trois propositions quand on se rappelle bien que déjà au mois d'avril, le ministre de la Justice avait déjà saisi le Conseil d'État pour obtenir une interprétation? Les évêques soupçonnent quoi, sachant que nous sommes dans un jeu politique où le président n'a pas de majorité au Parlement? Voilà, il dit Chani Praga, les propositions de loi sous examen à l'Assemblée porteront atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. La crainte ici, c'est de voir le pouvoir judiciaire dépendre du ministre de la Justice. Donc ceux qui auront nommé le ministre de la Justice seront maîtres du droit, ils seront même capables de dire non, ces dossiers vous bloquez, ces dossiers vous avancez. Donc on aura touché à une disposition fondamentale et qui a été même érigée en article verrouillé, l'article 220. J'ai une question, c'est Gustave Tchoubumbu, RTNC2. Je voulais savoir qu'est-ce qui dérange les évêques lorsqu'on sait que la CENI actuelle, le bureau de la CENI est déjà hors mandat et que c'est l'Assemblée nationale qui désigne les membres qui composent le bureau de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui dérange pas quand l'Assemblée nationale a déclenché le mécanisme de désignation des membres du bureau? Justement, les évêques l'ont dit, une majorité parlementaire pour le cas représenté au Sénat, si légale, parce que là vous insistez sur la légalité, si légale soit-elle, perd sa légitimité si elle est connectée des intérêts et du bien-être de la population. Quels sont les intérêts de la population en cette matière? C'est redonner confiance au système électoral. Un autre intérêt, c'est rassurer les Congolais que les choses ne seront plus comme avant. Donc, les évêques voudraient que l'Assemblée nationale, sans dénier leur rôle de traiter de la matière, leurs compétences, ils les conseillent simplement de faire les choses en tenant compte des intérêts de la population. Sinon, elle serait déconnectée, sinon, elle perdrait sa légitimité, sinon, on risque d'arriver dans un chaos. Monsieur l'abbé, c'est Mike Pacoto pour MNT Télévision. Ma question est celle-ci. Nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a un point de divergence entre vous, les confessions religieuses, sur le plan de la désignation de délégués pour les candidats pour l'actuelle CENI. Quelles sont les lectures que vous pouvez apporter aujourd'hui face aux professionnels des médias que nous sommes, parce que de l'autre écran, on voit des déclarations pour dire que votre candidat faisait partie d'un parti politique alors que vous étiez censé être impartiel dans la gestion des choses publiques. Quelle est la lecture qu'on peut obtenir au cours de ces points de presse d'aujourd'hui? Je crois que c'est la question vraiment simple. Avant même d'arriver à cela, on avait mis en place un profil du candidat idéal, et je reconnais qu'un des points de ce profil, c'est l'indépendance vis-à-vis des politiques. Le fait que le candidat présenté par le protestant qui a, au regard de son CV et comme personne, c'est un mot qui pèse, le fait qu'il était candidat en 2018, d'abord ça nous échappait et ceux qui savaient, donc il était là comme indépendant et non comme allié à un parti politique. Non, cela n'attire. On était devant 3 candidats. Alors pour un candidat, l'ECC et la CENCO ont dit tout sauf ça pour des raisons que les évêques évoquent ici. Alors, à un moment donné, pour faciliter le consensus, la CENCO avait retiré son candidat, qui n'est pas de moindre. La preuve qui n'est pas de moindre, quand on a fait la sélection pour passer de 24 candidats aux 8 candidats, c'est celui de la SEMCO qui a eu 8 sur 8, qui a eu le maximum. Donc ça signifie que le jury, à l'unanimité, a reconnu en lui un homme capable. Et il a le diplôme le plus international, le plus élevé de bridge. Il a piloté la plus grande mission d'observation électorale du gouvernement dans le monde, donc ce n'est pas de moindre. Mais malgré ça, par esprit de consensus, on l'a retiré. Mais comme les choses étaient bloquées à ce niveau-là, on a dit bon, si les deux autres posent problème, puisque vous n'avez jusque-là opposé aucune objection contre l'autre, nous les présentons. Et là, on s'est cabré, on comprend ce qu'il y a derrière. Donc, mais on ne va pas forcer, on ne dit pas que si ce n'est pas lui, d'autres candidats nous va. Non, 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 non. On a déjà démontré qu'on peut le retirer, mais s'il y a un autre, mais au moins quelqu'un qui rassure. Voilà. Donc vous voulez nous rassurer que vous êtes d'accord avec... Celle de savoir, qu'arrivera-t-il si après les réformes et qu'on procédait à une désignation avec des animateurs comme exercés à la CENI, mais que ces animateurs se plongent dramatiquement et catastrophiquement plus que les gens que vous décriez aujourd'hui? Et quel regard l'Église a vis-à-vis de ces enfants qui sont tenus dans les secrets professionnels et qui méritent aussi une miséricorde pour exercer leurs droits garantis dans la Constitution. Parce qu'on a l'impression que la position que nos évêques prennent vont à l'encontre des dispositions clés constitutionnelles qui garantissent à chaque individu le droit d'exercer des fonctions libres à tous les niveaux. Et voilà. C'est un peu plus que la Constitution me donne le droit de postuler comme candidat, que je dois nécessairement postuler comme candidat. Ce n'est pas puisque la Constitution me donne la latitude de postuler comme candidat et que si je postule, je dois nécessairement passer. Okay. Merci bien. Nous allons demander à M. l'abbé de faire un résumé de ce qu'il a dit, du message des évêques en général. Comme ça, s'il y a quelques questions en général, il va répondre. Vous avez la parole. Tata épiscopo ya comité permanent ya lisanga ya baepiscopo nyonso ya Kongo bauti kokoma mukanda mpona kobeta mbela na mayi mazali kotungisa bana Kongo bango bazali moto na moto esika na ye mpona bakutani lokola bazalaka na Kinshasa te mpona COVID kasi na ndenge teknoloji eza kopesa nzela bazaki libako ya kosangisa makanisi. Pambate bisika bazali, ezala na nord, ezala na sud, ezala na est, ezala na ouest ya RDC, bamoni te likambo ya proposition ya mibeko oyo ekoti na parlement soki batiki yango bongo ekomema mboka na mobulu. Bamoni te soki nzela ya kotia président ya CENI basali yango na ndenge ya kotala expérience ya élection elekani te ekotia mobulu yango wana basengi babendi matoyi ya bandeko banso oyo bazali na kati ya misala wana ezala na kati ya parlement ezala ba confession religieuse ezala la société civile likambo liboso balobi ezali te Banamboko bazali na politique, ozala na majorité, ozala na parti politique, ozala na plation politique. Souci ya liboso esengeli kozala bolamu ya mboka. Oyo nyonso kosala esengeli ezala na souci pote mboka ekende liboso. Pona maematali projet ya mibeko, proposition ya mibeko ekoti na assemblée nationale. Bobange ezali mingi pamba te. Soki tokebite Nebeko wana kosala te justice ezala lisusu indépendante te.